Bethléem, Bethléem est ma maison, mon âme et ma vie. موطني يعني بلدي روحي حياتي. En noir et blanc, Maurice Michel a trouvé un moyen de capturer des scènes de la vie à travers les objectifs de son appareil photo et de documenter fidèlement les personnes, les lieux et les événements. Il tient dans ses mains les photographies qu'il a prises au cours des dernières décennies et qui sont restées gravées dans la mémoire collective locale. Il révèle les détails fascinants des coulisses des prises de vue réalisées lors d'événements survenus dans le pays qu'il aime. بيت لحم في عيد البلاد كان الكل ينتظرها والكنائس كانت À Bethléem, tout le monde attend Noël avec enthousiasme. Les églises et les rues de la ville regorgent de croyants. Les familles marchent avec joie avec leurs enfants et les rues regorgent de groupes de scouts de Nazareth, Jérusalem, Bethléem, Betsahour et Betjala. الكشافه كانت حتى تيجي من الناصرة والقدس بيت صحور بيت جالة بيت لحم. هذه صورة في عيد الميلاد. Cette photographie représente le patriarche Alberto Gori et son cortège le jour de Noël pendant la période jordanienne. موقف تبعه الأردن حصون الأردن. Maurice Michel a assisté à l'arrivée du corps de Saint Saba et a suivi les visites de quatre papes en Terre Sainte, dont la première était celle du pape Paul VI en 1964. Il est devenu un point de référence pour Bethléem et la Palestine en général. Quand j'ai appris l'arrivée de Saint Saba, je suis d'abord allé photographier son corps dans l'église du Saint-Sépulcre. Puis il a été conduit à Bethléem, lieu de naissance de Jésus, et enfin au monastère de Saint Saba dans le désert. Il a été placé dans sa tombe originale. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup de respect pour Saint Saba. Nous prions Saint Saba et demandons à Dieu d'aider les familles dans le besoin en cette période de fête. Maurice Michel a réalisé une longue série de photographies de la Terre Sainte recueillies en 65 ans de dur labeur. À ce jour, il a passé la majeure partie de son temps dans son studio de photographie, où il conserve de nombreuses images et appareils photos qu'il a utilisés pour capturer les événements et des histoires qui suscitent la nostalgie. Je viens de Bethléem, la ville qui pour moi et pour beaucoup de gens est la plus belle du monde. Je resterai ici et ne vivrai nulle part ailleurs, aussi beau ou pittoresque que ce soit. Les images de Michel Maurice sont belles et pleines d'histoires merveilleuses. Ces clichés historiques sont enfermés dans une archive précieuse qui perpétue les scènes représentées.